Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passée. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Por favor, portón de falla, muchas gracias. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1... Eh bien, ça fait drôle de rentendre cette voix de GLaDOS en VF. Surtout dans Portal 1er du nom. Parce que Portal 2, c'est pas sale, franchement. Salut à tous, salut à toutes, c'est ShaDOS et on se retrouve pour mon premier waifu sur Portal. Portal, oui, qui est développé par Valve. Connu pour les Half-Life et autres bons jeux qui nous ont sortis. Team Fortress 2 en est un autre exemple. Donc on est sur la version PS3. Il faut savoir que Portal est sorti sur console dans l'Orange Box, qui comprend donc Half-Life 2, Half-Life 2 épisode 1, Half-Life 2 épisode 2, Portal et Team Fortress 2. Team Fortress 2 étant le jeu qui m'a un peu poussé à acheter cet Orange Box. Mais il faut dire que Team Fortress 2 est vraiment moins intéressant que son portage, enfin que la version PC en tout cas. Ça c'est clair parce que je l'ai téléchargé récemment grâce au Free to Play, je crois. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Et franchement, sur PC, il est 10 fois mieux, si ce n'est pas plus. Dans le sens où, déjà, on est sur PC. L'FPS sur PC, il n'y a rien de mieux, même si j'ai une petite référence pour la manette. Là, je dois avouer que Team Fortress 2, ça se joue mieux au combo souris-clavier. Le plus encore, c'est qu'on peut échanger des objets et... jouer sur d'autres maps, parce que j'avais l'habitude de jouer sur la map tout fort sur PS3, qui est pour moi la meilleure map de base. Et donc, oui, il y a l'échange d'objets, la possibilité de personnaliser votre personnage, et ça c'est vraiment intéressant. Enfin, quoi qu'il en soit, là on est sur Portal, premier du nom. Un jeu que j'ai découvert en achetant l'Orange Box. Je connaissais vraiment deux noms avant, mais je n'étais pas plus emballé que ça en fait. Et finalement, je dois dire que l'univers est un peu étrange. Enfin, je n'ai pas le bon adjectif pour qualifier ça, mais quoi qu'il en soit, c'est un très 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 bon jeu. Je le conseille à ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas Portal. Très franchement, ouais. C'est vraiment intéressant. Alors par contre, il y a plein de chargements sur la version PS3. Enfin, les versions console en tout cas. Je ne sais pas s'il y a autant de chargements sur PC. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il est gratuit sur Steam. Donc n'hésitez pas. Hein. Pas mal de chargements, je disais donc. Donc Portal c'est quoi? J'estime que si vous regardez ce waifu, c'est que vous connaissez un minimum. Pour vous débloquer dans les salles donc. Donc Portal c'est quoi? Et ben, vous incarnez une femme nommée Shell. C'est H-E-2-L il me semble. Vous êtes dans un laboratoire. Un laboratoire entre guillemets. Comprenant plusieurs salles de test. Alors vous êtes muni d'un portal gun, ce que vous voyez donc comme arme sur l'écran, qui vous sert donc à tirer des portails. Des portails, pardon. Je le fais à l'anglaise. Des portails qui donc, quand vous tirez un portail bleu par exemple, puis vous tirez sur un portail orange, et bien quand vous passez par ce portail bleu, bah, vous ressortez par le portail orange. Et donc le jeu va exploiter ça en fait. Les salles de test sont concentrées là-dessus. Alors vous voyez, pour récupérer le cube donc, je dois prendre
dois le faire tomber dans un portail et récupérer le cube pour le poser sur le bouton. Conformément au protocole de test, vous faire là encore, que vous ne seriez pas on passe par le portail bleu et on sort par le portail orange. Une information fabriquée de voilà, toute donc pièce. C'est ça, portail. Portal, pardon. D'ailleurs, j'ai acheté le jour de sa sortie Portal 2, qui est vraiment excellent. Il se rapproche vraiment du premier. D'ailleurs, il y a plein de clins d'œil par rapport au premier. J'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoil pour ceux qui n'ont pas joué. Mais ouais, il y a pas mal de clins d'œil sympa et j'ai vraiment apprécié. Mais Portal 2, on va dire que malgré qu'il soit plus long que Portal 1, il est peut-être plus simple au niveau des salles de test. C'est ce que j'ai ressenti personnellement. Après, il y a plein d'ajouts qui ont été faits dans Portal 2 par rapport au 1, comme le gel de repulsion, de propulsion, ou les socles de saut là, qui sont pas mal du tout. Et voilà, donc voilà. Et sans oublier que Portal 2 propose un mode coopératif vraiment intéressant. Sur PS3 d'ailleurs, on a la possibilité de jouer avec les joueurs sur Steam, et ça c'est vraiment appréciable chez les joueurs PS3. Donc voilà, là on avance tranquillement mais sûrement. Les premières salles de test de Portal 1 sont plutôt faciles, mais ça va se corser au fur et à mesure. D'ailleurs, je tiens à le préciser, enfin je l'ai déjà dit, enfin je viens de le dire d'ailleurs, oui, Portal, ça se finit plutôt rapidement. Faut compter 1h30, 2h de jeu, je pense. Voilà, alors oui, peut-être pas la première fois qu'on y joue, on mettrait quoi, allez, 3-4 heures pour finir un jeu, doucement, dans ces eaux-là, je pense. Mais ouais, ça se finit plutôt rapidement. Donc là, en fait, il fallait mettre l'orbe dans le réceptacle, là-bas. C'est très simple. Là, on met un portail devant nous pour attendre la plateforme. Activé donc par le fait que vous avez mis l'orbe dans le réceptacle. Alors là, on attend. Plateforme assez lente, d'ailleurs. Ah, ouais. Mais moi, franchement, j'aime bien le level design du jeu. Vous voyez ces petits laboratoires, ces petites vitres floutées avec des bureaux qui nous font penser à être observés finalement. On croit qu'il y a d'autres personnes qui nous surveillent, donc des humains. C'est ce que j'ai pensé d'ailleurs la première fois. Moi je pensais que voilà, on était dans un laboratoire, mais pas abandonné en fait. Bah finalement si, ce laboratoire est uniquement contrôlé par un ordinateur, GLaDOS, et j'étais vraiment surpris. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test pour est impossible de raison à résoudre, que ça a l'air entretenu, etc, etc, quoi. Et bah finalement non. C'est assez marrant. Alors je me rappelle plus comment faire. J'ai longuement hésité. C'est tout con. Vous allez voir ça. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Attendez. Hop. Il y a un petit trou ici. Et c'est ça qu'il fallait faire. Enfin, c'est là où j'ai tilté ce qu'il fallait faire. J'avais pas compris qu'on pouvait mettre un portail de l'autre côté. Donc c'est intéressant. Allez, un petit cube sans bouton. Et on active la porte. D'ailleurs, les ascenseurs de Portal 1 sont différents de Portal 2. Pourtant, c'est le même laboratoire, donc il y a une petite incohérence dans cela. Après, c'est peut-être d'autres salles de test, hein, je ne sais pas, mais bon, par homogénéité, on va dire que voilà quoi. Un ascenseur, c'est un ascenseur. Hein. Enfin bref, c'est un petit détail comme un autre. D'ailleurs, un autre détail à remarquer, c'est que le skin de GLaDOS dans Portal 1, je le trouve assez différent du 2. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que... Rebonjour. Que... Voilà. Je ne suis pas spoilé, mais je sais pas. C'est... Enfin moi perso, je préfère le skin de Portal... De Portal 2, hein. Il est plus...
Pas plus expressif, mais je sais pas. Je saurais pas expliquer ce qu'il y a de mieux. Alors là, c'est simple. Il suffit de mettre un portail bleu ici, de sauter dans le portail orange, et de se laisser faire, tranquillement. Là, la plateforme avance, et on refait la même chose. Là, faut attendre que la plateforme s'immobilise. Voilà. On saute, et hop. C'est vraiment sympa en tout cas. Le jeu est vraiment plaisant. Malgré que le 1 soit vraiment court, je le répète, c'est à faire. Ça, c'est au moins une fois dans sa vie. C'est le jeu casse-tête à ne pas louper. Alors là, on arrive à la salle où on récupère le portail orange, le générateur orange, on va dire, qui vous permettra donc de tirer des portails orange. Donc là, je vous laisse regarder comment faire. Je n'ai pas de commentaires spéciaux à faire. Donc, vous récupère à la fin de la vidéo. À toutes. Donc voilà, on est en possession des deux générateurs de portail. Donc c'est là que vraiment, je pense, les salles vont commencer à se corser. Bien qu'au départ, ça soit un peu tutoriel dans le sens où on nous apprend à utiliser les deux portails. Mais ça va venir assez vite. Alors là, ça, très simplement, il faut attendre que la plateforme nous ramène au portail bleu pour passer par le portail orange. Et s'ensuit une nouvelle salle. Musique assez sympa aussi. Je l'aime bien. Malgré que j'ai une préférence pour l'OST de Portal 2. J'aime bien ce petit effet de sadique, on va dire. Laboratoire. Enfin, j'aime bien en tout cas. Donc là, même principe que tout à l'heure, sauf qu'on a deux portails, et c'est à nous de bien les placer. Ça va très vite, hein. Là, il faut récupérer le cube qui est en haut. Alors on attend que la plateforme se dresse correctement. Voilà. Et on n'a plus qu'à tirer un portail bleu en bas, si c'est pas déjà fait. Voilà, on récupère le cube donc, il faut le placer sur le bouton, très simplement, pour activer la porte. Et là, rebelote, on saute, et on atterrit à côté de la porte. Et on arrive donc à la fin de cette première partie de Walfood de Portal donc. J'espère que à très bientôt, ciao. Pour la seconde partie de ce Walfood.